Bonjour. Voilà, Madame l'autruche, elle est en chaleur. Elle est en train de séduire Monsieur l'autruche, qui ne fait même pas attention à sa danse nuptiale. Et moi, émerveillé, je ne pouvais pas me priver de la prendre dans cette attitude. Et il vient, il la regarde, il ne fait même pas attention. Il est un petit peu évasif, il ne sait pas ce qui se produit, il regarde la nature, il n'est pas, il n'est pas intéressé, paraît-il. Mais elle va persister, elle va demander, elle va exiger, elle est en train de faire semblant de butiner, de piocher sur le gazon. Et là, lui, par contre, il la regarde ailleurs. Il a un peu l'air triste. Bonjour, monsieur l'autruche. Regardez-le. Et il ne dit rien, il s'en va. Et il la laisse en paix. Et moi aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais lui foutre la paix, je vais le laisser en intimité, à travers ce grillage, mais vraiment il est étranger à cette histoire. Il est sous le mimosa, un mimosa parfumé. Il est peut-être enivré par l'odeur de ce mimosa, par l'odeur de ces fleurs d'oranger, mais rien n'y fait. Elle n'abandonne pas, elle est vraiment, elle attend, elle réclame l'accouplement, elle est à lui pour de bon, pour la vie et pour le pire. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de plaider et de lui dire, « Nashetan, prends-la !» Il refuse, mais il n'y pense même pas, il est de loin. Alors, bonjour, Madame l'autruche, bonjour et bon courage pour ton travail sérieux et assidu. Alors, voilà, elle a de belles jambes, de belles cuisses, elle a des ailes merveilleuses, elle a des plumes à décorer au Moulin Rouge ou dans un cabaret, et la peau pour fabriquer un sac à main, et le reste à manger. Et paraît-il, elles sont délicieuses. Et le mâle, là, avec un bec rouge, il est en train de me regarder. Et des jambes grêles, avec un seul ongle, et un petit peu teinté en rouge. Il ne fait pas attention, ma parole. Regardez. Elle fait la révérence devant lui. Et il ne bouge pas. Je crois que je vais lui apporter un autre mâle. Parce que celui-ci, il ne lui fait que du mal. Bravo, cette ferme pédagogique. Il y a tout à apprendre. Même moi, je suis en train d'apprendre. Et je dis, vive mes autruches. Vive ma ferme pédagogique. Et vive les Marocaines et les Marocains. Et bien sûr, vive le Maroc !